Salut à tous, salut, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui on se retrouve pour une course créée par la salle. Les gars, ça fait longtemps que la salle n'a pas créé de course pour moi, pour tout le monde, simplement pour la team. Et aujourd'hui les gars, suite à la vidéo troll de hier où j'ai troll Théo avec la salle et Eden, on l'a troll, on l'a laissé gagner. Il y a beaucoup dans les commentaires qui ont dit Unwin est plus fort que Théo, Théo est plus fort que Unwin. C'était un peu mitigé dans les commentaires. Donc la salle nous a créé une course, regardez le nom c'est Unwin vs Théo. Aujourd'hui j'affronte Théo, mais j'ai décidé d'inviter un petit invité avec nous. C'est Pedro qui nous rejoint. Et salut. Bonsoir Pedro, bonsoir salut. Théo. Salut Pedro. Bonsoir la salle. Alors la salle, dis-nous en plus sur ta création. Alors c'est une course hard, mais hard de votre niveau, c'est-à-dire pas hard pour moi, genre pour moi je one shot tout, mais pour vous c'est un peu hard, un peu facile, un peu hard et un peu moyen. Ok, et écoute Eden, tu peux nous faire le décompte et on. Écoute, réinvite-moi juste avant si tu peux, comme ça c'est bon parce que ça. La salle va t'inviter, t'inquiète. Ok, ok, vas-y, vas-y. 3, 2, 1, go. Et c'est parti, Sumata! Let's go! Sumata! Ok, moi je vais me pousser un petit peu. Oh, j'ai pris le boost, je sais pas s'il y en a qui l'ont pris. Non, moi je l'ai raté. Ok. Attention, Théo versus Unwin. Versus Pedro qui confond du beurre, les gars. Ça c'est bon. Ouais, version action, je suis un peu derrière. Théo est juste devant, Théo Sangoku. Théo Sangoku, DBZ. Théo Sangoku, toujours sur la mitaine. Théo Sangoku qui va. Théo Sangoku qui tente la jungle, hein, qui tente effectivement dans la jungle. Il y a Théo qui passe devant, Unwin qui est derrière, Unwin qui est derrière pour le moment, qui continue, hein, qui s'arrête pas. Les gars, moi je vous le dis, mon but c'est de gagner. Ah ouais, toi tu mets ton véhicule en avant, t'as pas peur quoi. Ouais. Il a pas eu le temps de niaiser, effectivement. Ça essaie de m'inviter, le mec, mais je sais pas ce qu'il va pouvoir. Non, je peux. Oh là là. Eh ouais. Alors Pedro, faut rester tu au milieu. Avec un peu de retard pour Pedro. Hein. Je pense que je vais respawn parce que j'ai pas pris le bon truc, le bon truc aussi. Le bon texte, le bon débit. Ok. Alors sachez un truc, avec la scramjet les gars, c'est qu'il faut aller en arrière comme ça pour aller le plus loin. Et je pense que là, je vais même aller un peu plus loin que le point. Non, tu vas pas aller plus loin, mais non. Tout est calculé. Je suis bien. Pour ceux qui ont la ref, je suis bien. Ok, là, je suis bien. Je sais pas, ça vient d'où ce message, j'entends tout le monde dire ça, mais je sais. Moi, j'ai pas la ref et je pense que mon cerveau se porte mieux. Ça fait partie de la team Kwakubé, je pense, donc. D'accord. C'est à peu près le même délire. D'accord, bon, ben moi j'ai la poisse, ça veut pas passer. Ça veut pas passer. Ok. J'ai pas tout compris. Moi, mon but c'est de gagner, les gars. D'ailleurs, Eden, pourquoi t'as décidé de pas jouer? Alors tout simplement parce que moi je suis peut-être un peu trop fort pour vous et vaut mieux pas que je celle-là. Donc la salle m'a dit, clairement il a dit écoute Aiden vu que t'es trop fort, mais vaut mieux pas que tu joues avec eux quoi. Est-ce qu'on dit, rappelle... on mélange pas les torchons et les serviettes ensemble quoi. Est-ce qu'on rappelle quand même qu'on a fait 3 lives Aiden où on s'est affronté, il y a eu 1-1 et finalement... Mais Aiden t'as lancé une course à la fin que t'as testé donc... Oui, allez tout de suite les grands mots. Mais Aiden tout le chat te le disait. Bien sûr, la salle, bien sûr. Ah bah non, c'est Aiden, moi. Ok. Ah bah, les gens de ta chaîne, ils le savent, le chat là de nuit, là, qui vont commenter. Les gars, s'il vous plaît, mettez Aiden est plus fort que nuit, s'il vous plaît, comme ça. Voilà, ça sera les choses. C'est pas le thème aujourd'hui, c'est Théo contre nuit. Ouais, mais ils peuvent le dire quand même, tu vois. Mais merci en tout cas à ceux qui le mettront. Ok. Oh ouais, t'es passé, Unwin, bien joué. Incroyable. Wow. Eh ben écoute, je suis passé. Et ici, pour ceux qui ont la rêve, c'est quoi ici, les gars? Vous connaissez le chemin? Eh ben écoute, c'est là où... C'est exactement là où un jour, la salle avait fini sa vidéo, on allait finir, et je l'ai écrasé, et en fait, ça a fait échouer la mission, voilà, pour ceux qui s'en souviennent. Ah oui. C'est vrai. C'est le braquage final, c'était ici. Théo repasse en tête. Waouh, c'est quoi ça, c'est quoi? Je suis ça sur un écran de fumée actuellement, Il y a que de la fumée pour le moment, mais on est là. Alors on va essayer de prendre des nouvelles de Pedro. Alors Pedro, où êtes-vous? Loin, derrière, très loin derrière. Derrière, très loin. Waouh. Ah ouais, waouh. Ok, moi il y a le ralentisseur qui m'a quand même ralenti, les gars. Et ça, c'est beau. C'est incroyable. L'événement était incroyable. L'événement est incroyable. Bon, je pars les gars. Mon but les gars, faut que je finisse premier les gars, la salle je te le dis. D'ailleurs c'est magnifique, merci à toi d'avoir créé l'activité.
On a juste une petite question quand même qu'on se pose. Je pense que tout le monde se pose la question de la salle. Parfait. Combien de temps pour tester l'activité? Pour tester l'activité, j'ai mis exactement 20 minutes. T'as mis 20 minutes? Ah ouais. Eh ouais, parce que en fait, c'est ça, hein, c'est ça, c'est comme ça. C'est. Je veux dire, à un moment donné, Eden, il l'a dit. Et s'il l'a dit, c'est pas pour rien. Je pense qu'il y a une raison. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est ça la question. Tu sais, exactement. Que t'as dit comme Théo hier dans la course. Et bah exactement. Comme Théo, je sais plus. Exactement. Ouais. Non, en vrai, moi, je pense, sans faire le gars arrogant, machin, je sais pas comment on dit. Donc, c'est arrogant, c'est tout simplement des gants de tir à l'arc. Non, de tir à l'arc, parce que arrow est arrogant. Enfin, voilà, vous avez compris. Donc, non, en fait, je préfère pas... Non, je vais pas le dire. C'est quoi, je vais pas... Mais je pense que j'aurais fini en 14 minutes à peu près. Mais je vais pas le dire. Il s'estime un temps. Comment? Tu parles québécois ou je... Il a dit il s'estime un temps. J'ai cru que tu parlais québécois, je te jure, j'étais là, j'allais te répondre tabarnak de Corlys, tout ce que tu veux. Corlys de Corlys. Ah non, non. Mon Eden, je viens de penser. Ouais. Québécois, quoi, Koubé. Ça vient de là ou pas? Québécois. Mais la 7, t'as pas la ref de Québé, de quoi, Koubé, la vraie ref? Non. Ah ouais. Salut Nitriche. Ouais. Hein? Ouais. Pas, pourquoi? Je sais pas. Merde. Nuit Nitriche pas, il s'est juste trompé de chemin. Je pensais qu'il allait sur le chien de quoi ça. Tu es en train de me dire que le Québécois était inventé par des. Le Kwakubé était inventé par des Québécois? Peut-être. Possible. C'est possible. Ah, on a peut-être résolu le mystère, en tout cas, faut aller chercher le gars au Québec. Non mais on a Unwin. Bah écoutez les gars, c'est pas du tout ça, mais dans les commentaires ils vous le diront. D'où vient le mot Kwakubé? Ah mais tu sais pas non plus. Ah si, moi je sais d'où ça vient. D'ailleurs la personne qui a inventé Kwakubé a été invitée par le PSG. Non mais dis-nous, explique-nous, on veut savoir. Bah c'est tout simplement une personne, voilà, un TikToker qui a fait un Kwakubé et puis c'était marrant. Les gens ont kiffé et du coup bah c'est resté en fait, tout simplement. Et après bah tout le monde l'a repris, tu vois, tous les petits l'ont repris jusqu'à ce que le PSG tout ça machin le reprenne. Ah, le club du PSG quand même, qu'avec quelqu'un qui a dit quoi couper. Waouh, c'est vraiment le club est descendu bien bas. Hein, J'irais en plus du club les joueurs aussi, non? Parce que c'est eux qui le disent. Ou alors c'est le club qui le dit. C'est qui Unwin? Unwin, dis-nous tout. Bah c'est tout le monde en fait. C'est bizarre quoi, c'est... Ah, c'est un tout. C'est un délire, j'ai pas trop compris le délire. Moi j'ai pas subi la ref. Alors moi dis-toi que c'est le petit frère de Batflunch, la salle, qui m'a... Bah voilà, tu connais, il est petit donc forcément. Il est petit, il fait 2m40. En âge, je te parle en âge. Ah, parce qu'il est largement plus grand que toi, hein, donc... C'est un petit bébé, et ça c'est venu de lui, de base, et puis voilà, après je sais... Tu lui arrives au nombril, non? Comment? Tu lui arrives au nombril? À peu près. Oui, je pense, ouais. Bah, mais comment ça, il est petit? Vous avez 2 ans d'écart, comment ça, il est petit? Comment ça, 2 ans d'écart? Qu'est-ce que tu me racontes? Tu sais pas, il a quel âge? Non, mais mentalement, je veux dire. Ah, elle est pas mal, celle-là. T'as décidé de me faire la salle en fait, Dieu. T'es où, Pedro? On sent que tu stresses, hein. Attends, je crois qu'il y a quelqu'un qui est dans cette vidéo, il s'appelle Pedro. Ouais, je suis là. Je suis loin derrière, hein. Ah, salut Pedro. Tu devrais aider Pedro quand même, hein. T'es un bat. Non, non, attends, mais je vais venir sur ton écran. On fait voir. J'avance tranquille, hein, doucement. Hein. Mais sûrement. Okay. J'arrive sur ton écran, Pedro. Je vais te donner une petite astuce qui va quand même t'aider quand même pas mal. Tu appuies sur R2. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est ça. Bah là, tu vas. J'hésite. Tranquille. Mais... Voilà. Là, tu vois, tu vas tout doucement. Vas-y, tout doucement. Vas-y. Okay. Mais quand t'arrives vers la fin, t'as vu, tu peux y aller. T'as un libérateur, c'est-à-dire droite, gauche. Donc vas-y, là, bombarde d'un coup, vas-y. Roule à fond, voilà. Je suis voilà. Vas-y, continue. Bon, continue. Faut voilà. Continue vers le point, là, tu vas vers le point. Faut redescendre. Oh. Voilà mon petit Pedro. Une petite cascade, t'as vu? J'ai bien aimé.
Alors je suis sur les, je suis de retour sur l'écran de Nune, bien évidemment. Donc je suis sur son écran. Alors Nune, explique-nous ce que t'as fait, ce que t'as eu. Nous te regardons parce que les téléspectateurs ne nous regardent pas et nous te regardons. Je vais essayer de faire ce magnifique saut. Ah, mais le point est à droite. Qui aura duré 5 secondes. Waouh. Waouh. Wow. Dégueulasse. Alors faudra m'expliquer pourquoi t'as pas sauté vers la droite plutôt, ça aurait été peut-être mieux hein. Ouais, faut respawn je pense hein, non oh, ouais, ouais, limite tu hein, franchement. Non, t'as raison, non, perds du temps, c'est mieux. Je vais respawn je pense, à mon avis de vous. Bah j'ai pas vu que le point était à droite en fait, mais toi là ça tu crées tes trucs tellement bizarres. Bah après non, faut regarder. Ah oui, ça c'était pas prévu. C'est quoi ce saut? T'es fait un saut gros. Je n'ai pas compris. Regarde-moi ça, 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 c'est un magnifique saut. Mais attends, Théo, il était pas tout en bas et il a respawn, j'ai pas compris. Il est mort, il s'est suicidé. Non, c'est qu'il a explosé à un moment donné. Et du coup... Ah, t'as réussi à exploser. Bah du coup, maintenant, tu peux plus exploser, c'est ça qui est bien. Mais moi, je peux encore exploser, donc ça, c'est pas bien. Donc à tout moment, là, regardez là, à tout moment. Une qui prend des risques. Ouais, et faut prendre des risques dans la vie, la salle. Si tu prends pas de risques. À tes risques et périls. Bah là, c'est pas tranquille, la salle, non. Tranquille. Tranquille. Ok. Ok, d'accord. Ça wow. Suffit. Ok. Alors, où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? On est ici. Et là, il y a du parcours. Des points, c'est bizarre. T'as dit quoi, Théo? La salle, il a mis des points assez bizarres. Ah bon? Oh, ouais. C'est à dire. Mais des points qui sont loin aussi. Aussi. Et les points sont loin, vous avez dit? Ça va. Le point qui était sur mon Chiliad, effectivement, il était loin. Il était loin, il était loin. Eden, t'es où, toi? Enfin, Eden, ce que je dis, Eden, moi, je lui dis, Pedro. Bah moi je suis en spectateur. Bah je suis là, j'ai envie de passer la prison alors. Ah ouais, Pedro, bah Pedro, à mon avis de vous. Bon bah au moins c'est mort hein. De toute façon c'est entre vous hein, normalement c'est... Non c'est pas mort, t'inquiète. Il y a encore de quoi rattraper. Ah, 17 sur 63, hein, ouais. À un moment donné dans la course, tu vas entendre Nune dire bah, on peut pas passer là. On peut pas passer. Donc là, c'est vrai que tu peux le rattraper. C'est ça. Alors là, on est à l'envers. J'ai pas trop compris. Ah. Ah. Et tu veux une explication? Ouais, je fais bien. Tu vois, quand il y a le mur blanc, il faut se jeter contre le mur blanc. C'est vrai que c'est pas évident, mais je pensais que ça l'était. Ouh. Tu vois le mur blanc, là? Faut te jeter contre le mur blanc. Là, je vais tu freines et... Freine Oh là 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 là. Voilà. Je sais pas si je suis bon. Laisse-toi atterrir. Ouais, là, il ira pas, là, ça, dessus, là. Ah, quoique, si. Si. Oh là là. Après, bah, tu refais la rampe, hein, tu recommences. Voilà, de l'autre côté. Je sais pas, à ton avis. Bon, là où il y a des mousses, j'imagine. Ok. Oh. T'en es où, Théo? Bah, du coup, je suis au même point que toi. C'est magnifique, par contre, la salle. Non? Eh ouais, mais t'as pété ton véhicule. En fait, t'as cassé le truc qui te permet de te maintenir. Ouais, bah oui, bah oui, bah oui. On est en Formule 1, forcément. Eh oui, bah oui, faut pas le casser, hein. Ça, tu le casses. Qu'est-ce qui se passe, Brice Denis, il arrive, pam, il casse. Ok. Je peux rien faire. Fallait freiner avant. Tu vois, il fallait freiner avant, comme ça, tu te jettes tranquillou. Là, je freine à partir de quoi? Moi, je me serais jeté à partir de là. Mais pourquoi t'as tourné? fallait juste freiner. Bah, je me suis jeté là, c'est ça qu'il faut faire. Non, il fallait juste freiner, toi. Là, tu t'as tourné là.
Attends, faut freiner, c'est tout. Et après, je me sors tout droit. Ouais. Ah, c'est bon, j'ai compris. T'es où, ça t'arrive? Bah, je comprends pas, ça fait... Théo, tu dois te jeter contre le mur blanc et ensuite refaire le looping. Mais qu'est-ce que tu fais, Théo? Oh, ouais, non, freine! Mais c'est que j'ai freiné. Et Lune, bon. Mais tu vas casser ta Formule 1. Et là. Tu sais que je comprends pas ce mec, hein, 8 ans de GTA pour faire ça. Il fait des. En fait, le problème, la salle, c'est qu'on voit. Je suis en première personne. Donc. Bah, pourquoi tu te mets en première personne déjà? Okay. Bah pour justement pour mieux voir le chemin. Ok, alors je vais me remettre. Rien. Tu connais le chemin? Ouais, tu le connais, j'avoue. Il est tout droit. Non. Ah, oh, je suis tombé. Non mais tu vois, on voit rien. Bah si, tu mets l'analogue de droite vers le haut. Freine. Et remets ton véhicule droit. Remets le droit. Là, tu peux rouler contre le mur, là, vas-y, roule contre le mur. Ça te freine. Et là, tu le remets droit. Non, droit. Non. Vers. Oh my god. C'est bon. Mais t'as tout pété, ah ouais. Non, nous, on voit tout, tout pété. Non, moi, j'ai. Ah, ouais, ok. Bah, nous, on voit tout nickel. Pété. Ouais, j'espère que ça va marcher. Nous, genre, y'a plus rien. C'est un squelette de véhicule. Y'a que son joueur. Et le siège. Ah ouais. Il reste lui, le siège et le volant dans les mains. Par contre les gars, on voit la map à l'envers, c'est trop incroyable, voilà, je le dis. La salle, et du coup, c'est magnifique. Je mets la vue en première personne. Alors bon, je pense hein, qu'on va aller comme ça jusqu'au bout de la map, je sais pas pourquoi. Mais je le sens. Alors tellement je peux... Hop, je le fais à une main. J'accélère juste en fait, c'est une air de race, là, ça t'a créé une air de race en fait. Là c'est... Ouais, air de race, ouais. Ça ressemble. Extrêmement long. T'as réussi Théo? Oh ouais, c'est bon. Là je suis à l'envers. Il est pas loin, n'empêche. En vrai Théo est bon, hein. il est pas loin du tout et tout. Ok. Le mec est chaud. Le mec est chaud. En plus, il a pas d'aide. Genre, toi, on te dit quand il faut freiner, quand il faut. Alors que lui, non. Ok. Ah, il est bon. Après, il entend, je pense qu'il est pas sourd non plus. Oh, bah, j'écoute, mais bon. Faut lui demander, hein, est-ce qu'il entend ou pas, hein, parce que peut-être qu'il entend pas. Sourd, Théo, non, toi, de base. Non, j'entends. Non. Bon, si il a dit qu'il entendait. Et Pedro, t'es où? C'est qui là, je viens de passer le Mont Chiliad et j'arrive en Formule 1. Et bah, tu vois, tu les as rattrapés déjà. Enfin, bon, déjà, faut pas lui dire ce qui se passe. Faut qu'il trouve la solution. Je pense qu'il. Bah, il nous a entendu aussi, hein. Ouais, mais bon, après, c'est que lui, il a pas vu comment c'était fait. Alors. Ensuite, que faut-il faire? Le mur blanc, je pense pas aller faire là-bas, je sais pas. Je crois que je vois le point. Apparaître petit à petit. Va là où la vie te mène. Allez, on va tout droit les gars. On est bien, on est bon, on est parti, on est steady, on est melly, on est felly. Je sais ce qu'il fallait faire, fallait remonter sur le. T'as dit quoi, Théo? Fallait remonter sur la plateforme. Ouais. Ah ouais, parce que du coup, c'est le choix qu'il fallait descendre. Ah bah oui, il faut descendre. Mais t'es pas passé, t'es tombé, Théo? Non, je suis en scramjet. Ah ok, ouais, j'ai cru que t'étais pas passé en fait. Non. C'est abuser la salle. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Tu me fais trop la salle, t'es fou. Bah, je fais comme tous les créateurs. Avant d'arriver sur le parcours, il nous faut bien faire le tour de la map. Bah là, c'est pareil. Alors. Tu fais le tour de la map avant. J'ai envie de faire des délires. Alors.
Ah, tu peux tenter des trucs, Anina. Après, on voit d'où il y a. C'est vrai. Retour aux sources. Je vais m'arrêter deux secondes. Oh, j'ai vu Pedro, je crois. Dans ton... Ah ouais ? Ah, Pedro, t'es là ? Je suis sur un mur. J'étais sur un mur. Je crois que c'est pas trop mal. Alors, je peux... alors, attends. Moi, je perds pas de temps. T'es passé à l'une ? Waouh ! T'es passé. Bah écoute, pour l'instant ça va, j'avance. Je sais juste pas où sont les points. Je me dis qu'il faut faire ça. Ok. Alors c'est de la découverte la salle ou c'est ce qu'on on suit la logique Non, c'est logique, y a pas de découverte. Pour l'instant tu fais que des tout droit donc voilà. Ah ouais, c'est magnifique le looping qu'on avait déjà fait, mais en Scrum Jet c'est encore mieux. Ouais. Tu te dis pas il t'a servi à quoi? Ouais, je me dis mais servi à quoi? Mais je savais hein. C'est pour ça que t'as vu, je me suis arrêté. La salle, pas mal. C'est bien qu'on va. Ouais, je sais. Attends, non, pourquoi il en. Ça va être trop drôle. Alors, j'ai pas. Alors non, là tu vas me dire que j'ai bugué parce que en fait, j'ai vu au dernier moment qu'il était en haut. Ah, bon, sans boost c'est dur hein. J'ai pas récupéré le boost, mais c'est pas grave, on est là. J'essaie de faire un truc, ça va pas marcher. C'est pile poil là-bas. Okay. Là c'est là qu'on voit que Théo, les lacunes elles arrivent, elles se voient. Avant, on sent que... Ouais Théo, on sent Pedro que... Ah non, Théo il est là. Et là je vais chercher le point... Non c'est Pedro là qui est avec moi. Là. Là, je vais arriver vers la base militaire. Il est chaud, Pedro. Ah, attends, comment ça? Ah non, c'est Pedro que j'ai vu. Ok, ok, je confonds. Ouais, non, non, donc du coup, ouais, non. Théo, il est bien plus loin. C'est vrai qu'il est loin, le coin. Mmh. Après, c'est sympa de découvrir la map à l'envers aussi, c'est stylé, quoi. Bah, c'était le but. Ah, je voulais qu'une nuit, il découvre à l'envers. Ouais, c'est sympa. Il a appris une nouvelle chose. Ok. J'apprends des nouvelles choses, effectivement. Et c'est magnifique. D'ailleurs, la salle, encore une fois, merci. C'est vraiment... Tu vois, j'aime bien, j'apprécie. C'est toujours satisfaisant de... Je pense que les gens, de toute façon, ils aiment bien voir tes créations. Ils se demandent ils à quel point... Heureusement, t'es youtubeur et pas créateur d'activité. Parce que... je pense que tu ferais rager pas mal de monde sur GTA. Ah, notamment avec tes courses trolls, la salle. Parce que je pense que tes courses trolls, quelqu'un de banal... ne la finit pas. T'inquiète, les gens qui font rager des personnes, je pense qu'il y en a déjà qui s'en chargent. Genre, tu sais, je serais capable de faire quoi, la salle? Je serais capable de contacter des youtubeurs espagnols, tu vois, et je leur fais tester tes courses. Ah, je suis juste derrière un youtubeur. Ah! Mais il y a déjà les solutions sur YouTube. Ouais, c'est vrai qu'après, ils ont les solutions sur YouTube, c'est ça. C'est vrai que ma propre mère qui regarde des fois des trucs, elle m'a dit, mais... La vidéo elle dure longtemps, c'est son premier truc qu'elle me dit. Elle me dit mais il crée des trucs, il est complètement fou. Donc Bah elle a raison. Ah oui mais totalement de toute façon. Hein. Ah je suis tombé. C'est le but. C'est ça. Mais tu vois, je dis toujours. Ah voilà, oh là c'est il crée encore un truc, ça va mettre longtemps là. Quand je le fais sur ma chaîne et tout, tu vois. Mais... Après, une fois que j'ai fini, c'est trop bizarre la sensation. Je me dis, en vrai, c'était pas mal, en vrai, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est ça qui est pas mal, en fait, c'est de se dire ça. Alors je me dis, ouais, c'est un wow, là, là, ma vidéo va durer 3 heures et tout. Mais en vrai, c'est drôle. Mais en vrai, tu kiffes après. Ouais, c'est ça, c'est ça. En vrai, ça reste bien, quoi. T'as pas le sentiment, une fois que t'as fini, tu te dis, t'as si je le refais maintenant, là, j'y arrive tout de suite. Genre, voilà. C'est easy. Et en plus, ça me fait ça, des fois. J'y pense. De le refaire. Exactement. Bah, je me dis là, de je recommence. Et de faire du premier coup. Ah, du premier coup carrément. Ouais. Bah ouais, pourquoi pas aussi du premier coup. Des fois, je vois Unwin devant, des fois, je vois Théo, je comprends plus là.
Bah, il est pas loin de moi en fait. Ouais, je suis ouais, c'est très serré en tout cas. Hein. Ouais, c'est vrai, il a pas rigolé Théo quand il disait qu'il était dans le game. Il a un petit level quand même, faut le dire. Ah, ça va, je mets 2 points. Ouais, ça fait combien de temps que tu joues à la PlayStation ou... Enfin, je veux dire, combien de temps que tu joues à GTA quoi? Au moins 4 ans. À peu près. Ok, c'était plus que ça. Bah, ouais, ça fait quoi? Ça doit faire 2 mois peut-être. Moi, donc, ça va en vrai. À peu près 2 mois. 2 mois et 3 jours. Je vais lancer le jeu, les gars. Bah, il y a 2 fois, on se demande. Wouah, t'es trop choqué. C'est vrai, ça. Je sens que Pedro il en a sur la patate, donc Pedro, dis-nous tout Pedro. Ah non non, mais quand on voit le niveau de Nguyen alors que ça fait 8 ans qu'il joue, voire même presque 10 maintenant. Tu sais ce qui fait mal, c'est que Pedro c'est la voix du peuple, c'est-à-dire c'est les gens qui regardent le peuple, tu vois. Donc ils peuvent être du même avis, donc waouh. Donc Pedro en gros t'es en train de dire que ouais, depuis le temps il fait des choses que tu comprends pas quoi. C'est ça. Bah, je crois qu'il y a personne qui comprend. Comme quoi, ouais. Ton niveau, enfin, il est pas exceptionnel pour un mec qui joue depuis 8 ans, quoi. Bah, c'est vrai qu'il est pas exceptionnel, mais je te parle. Je dis pas que t'es complètement nul, hein, mais, parce que bon, tu te débrouilles quand même, t'as du niveau, mais. Des fois, même Eden est meilleur que toi, quoi, alors qu'il a vraiment limite. Je l'ai pas payé, Agnès. Je l'ai pas payé. Oh, mais je l'ai pas payé, hein. Il a dit Pedro marquait un point, il a dit. Okay. Après moi j'ai une excuse. Allez, vas-y. Parce que c'est vrai que moi en fait quand j'étais plus avec la team, c'est vrai que j'étais lassé du jeu. En fait c'est bizarre, mais pour moi GTA c'est un jeu que j'adore, je kiffe et tout. Mais sans la team c'est pas un jeu que j'adore et que je kiffe, tu vois, c'est bizarre un peu. Et c'est vrai que quand je suis revenu, bah j'ai eu du retard. Parce que forcément ils avaient la scram jet, ils avaient plein de trucs. Et je reapprends, mais ça n'empêche pas que je te vois quand même savoir bien jouer. Donc voilà, mais j'ai perdu, je sais, j'en suis conscient que j'ai perdu énormément de level sur GTA. Ouais. Ça c'est sûr et certain. Après, est-ce que je suis meilleur ou pas, j'en sais rien. Pour moi, chacun se complète, tu vois, Nguyen il est beaucoup plus fort que moi à la scramjet, comme moi je vais être beaucoup plus fort, je sais pas, souvent Nguyen, bah par exemple, ouais, parcours BMX. Vélo ou moto, je crois, BMX, voilà. Ah donc après c'est que tout dépend du véhicule. Ouais, ah, ça dépend de plein de choses, ouais. Après lui, il a été favori. C'est quand même vachement améliorant scramjet. Hein. Ça, par contre, de ce côté-là, on peut pas nier. C'est comme. Bah après, c'est parce qu'on a fait des lives avec Pedro pendant. Ouais. Pendant longtemps, mais t'as pris vachement de niveau quand même. Hein, parce que... Un mois, deux mois, je dirais. Ouais. Donc c'est vrai que. On a eu ce petit avantage. Moi, par contre, un truc qui me choque et qui me choquera toujours, c'est le niveau de la salle. Ce qui est marrant, c'est que vraiment, bah, moi, je suis vraiment là depuis le début. Genre, c'est-à-dire le BMX, on l'a découvert ensemble. Et comment lui, il m'a dépassé, mais d'une avance, mais stratosphérique d'un autre univers. Et je me dis, ouah, mais si j'étais là, si j'avais fait pareil. Mais je me dis, ouah, là. Il avait il a toujours même un niveau de BMX en tout, hein, mais moi je parle vraiment BMX parce que on s'est connus dessus. Mais what the fuck? Alors qu'il en fait beaucoup moins, hein, en ce moment. Il en fait. Oui, mais what the fuck? D'ailleurs, la salle, je tiens à dire un truc, c'est que franchement, sans, parce que Dark Vador veut dire une Sus, machin. Mais pour moi, la salle, c'est l'un des joueurs tout simplement les plus forts dans le monde, hein, en BMX. Hein. Honnêtement, oui. Pareil, avec les Chinois, je crois que c'est les Chinois qui sont les plus forts, hein, il me semble, en BMX. Hein. Non, mais je vais vous donner un exemple, et la salle, il confirmera ou pas si c'est vrai, mais les gars, quand je vous dis qu'une fois on avait trouvé une course sur Social Club avec la salle, on avait trouvé une course à l'aéroport, il va s'en souvenir, hein, de Trevor, et c'était une course en BMX, on comprenait pas ce qu'il fallait faire, on savait pas. Ouais. Mais vraiment, genre, elle était interminable et tout, et. Quand je vous dis qu'il a passé des heures et des heures et des heures dessus, et jusqu'à il me dit ah j'ai trouvé une technique, c'est-à-dire qu'en fait on a découvert des techniques nous-mêmes. Et ouais. Regardez aujourd'hui il arrive à monter des murs, des trucs, des ça. Alors qu'on lançait une course il y a des années où vraiment on comprenait rien. Moi ce qui m'impressionne chez Classal c'est sa patience.
Parce qu'il y a des fois, je l'ai vu, mais même en off, hein, quand on a fait des courses en off et tout, et il a recommencé des trucs, mais peut-être 50, 60 fois. Ah et, ouais. Normal, quoi. Alors qu'il y en a, tout le monde râle, tout le monde quitte. Non, lui, il continue, normal, il dit rien. C'est incroyable, quoi. Le mec et je remarque même que ça peut lui arriver, genre... Et ça c'est trop marrant parce que c'est pas un défaut qu'il a, mais c'est drôle en fait. C'est genre, il va pas réussir à faire un truc, il va laisser, tu vois, genre parce qu'il a un peu forcé avant. Là, il va laisser, mais ça va rester dans un coin de sa tête. Et des fois, il va lancer comme ça en solo et il va dire vas-y, hop, hop, et il va essayer de tryhard à mort comme ça. C'est vrai. Et je vous jure que vous savez que vraiment, hein, quand je vous dis vraiment, quand il a un truc en tête, les gars, il dort pas, hein. C'est dans ça et c'est trop dans sa tête. Genre il a envie, il veut finir le truc quoi. Il est chaud quoi. Je te jure c'est. Il est capable ouais de. Bah c'est ça, il a une patience en fait folle quoi. Ouais. Ok. On doit monter un bâtiment. Oh, attends, le pont il est super loin. De quoi? Le pont il est super loin. Je sais même pas il est où, je l'ai même pas vu. Ah si c'est bon. Vous êtes à quel point? Je sais même pas franchement. 60 sur 63. Ah ouais, oh, je suis en derrière. Je sais même pas, je saurais même pas te dire où on est. Mais où il est? Pas loin de la maison. Non, je suis en train de faire le tour. T'es en train de faire le tour? Bah de la map, ouais. On se ramjette. Je regarde, hein, mais la course, elle est folle, la course. Là, je suis à l'usine, donc c'est pour dire. Waouh, c'est hardcore. Vous êtes à combien de temps, les gars? 32 minutes. Ouais. Ah ouais, ça va. Alors, je sais pas ce qu'il faut faire à la fin, par contre. Je sens qu'il y a un truc bizarre. Ah, vous tenez, tous les deux. Hein. Ouais. Ça va. On se tient, mais je sais pas, ça me paraît space. Vous tenez, comment ça, tu lui tiens la main? Bah ouais, apparemment, parce que un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre, qui sont... Ah oh ouais, d'accord. Premiers. Ah ouais, le point final. Ouh là 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 là. Et non, il a pas fait ça. Eh ben, bonne chance à lui, non? Bonne chance à toi. Je le vois vite fait, le truc. Ça, j'aime bien, parce que c'était une dédicace de trou de souris à l'époque. Oh, un trou de souris. Ah ouais, mais c'est plus un trou de souris là, c'est un trou de moustique. De fourmi. Et encore, hein, t'es gentil là, celle-là. Eden. Pas loin. J'étais pas loin. Bah, disons que non, en vrai, c'est un trou, mais qui fait la taille de Unwin, quoi. Genre de son. Ah voilà, oui. Quoi. De son pouce bleu, quoi. Oh là 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 là, le travail. On me dit pas que tout va se jouer là, c'est ça qui est ouf, c'est que tout va se jouer là, les gars. Le avant ça compte pas, genre c'était juste pour arriver ouais. Là. C'est vrai. Oh là 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 là. C'est vrai là. Qu'avant c'était de la balade. Faut savoir bien viser. Ouais, bah ça. Essayez, c'est dur, mais... hein, c'est dur. Combien de temps t'as mis pour. Ah oui, t'avais dit 3 fois la salle. Ouais. Je suis tombé 2 fois et je suis passé à la 3ème. Fluide en plus, j'ai eu le point d'arriver dans la foulée. Ah. Ah, Théo a bugué. Ah ouais. Ah putain, c'est pas possible. Bon bah, on va recommencer, hein. On va recommencer, les gars. Non, attends. Non, non, mais on va recommencer, c'est pas grave, hein. Est-ce que t'es dans l'activité? Ouais, là, ouais. Ah bah, nickel. Ok. Bah dis-nous quand tu passes le point et fais-nous un screen, bien évidemment. Bah oui. Parce que moi je serais à ta place, t'es où, j'aurais dit « Oh les gars, je suis passé les gars, bon allez, bien joué à l'une, hein. » J'ai le truc maintenant. Je vais juste le vider, enfin le viser. Je suis sûr que Pedro peut nous rattraper. Et là, je suis au 50e point. Bah il va te rattraper là, hein. Allô, la maman de l'une, oui. Oui. Ouais, il n'arrive pas à passer un trou de souris. Vous pouvez aller le taper? Merci. Ok, ça va. Ah bah, Edwin, il y a quelqu'un qui va venir te taper. Mais ça mort, là. C'est quoi le délire, là? Elle est pas mal, celle-là. Faut vraiment rentrer là-dedans, là, la salle? Bah oui.
Je rentrais par où ? C'est... Je peux pas m'amuser à faire une création pour le plaisir quand même. Hein. Waouh. Fallait Goulizada, les gars. Ok. Alors, là, j'étais à deux doigts de rentrer. Mais je suis tombé, mais. À quelques millimètres. Ah ! Il dit ça pour que tu stresses la nuit, mais c'est pas vrai. Mais je pense que Théo s'en occupe déjà de base, il était sérieux. Bah attends, mais j'avais. Théo, il faisait pas des. Tu faisais les lives avec nous, Théo. Ouais. Ah, c'est vrai que Théo. Alors, j'ai été dans un live où on a galéré sur un parcours où on avait mis presque 3 heures. Oh, la nuit, bordel, la nuit. Il est en scrapjet jaune. C'est vrai que t'étais presque dedans, mais il faut être plus précis. Je transpire. Non. En fait, j'ai compris ton problème. Ouais. C'est au moment où tu relèves, genre ton, enfin, tu je sais pas, tu mets un coup de joystick, tu stresses et tu commences à tourner dans tout le sens. Au lieu de rester bien droit. Dans Los Santos. Regarde, je te jure, genre, quand il va passer, là, je sais pas, peut-être qu'il peut l'avoir là. Logiquement, il est bien. Ouais, non. Mais en fait, il stresse. Il stresse, je sens qu'il stresse. Tu ressens. Il regarde le temps en bas et il se dit, ouais, vite, vite, vite. Non, en fait, plus tu stresses, plus tu vas galérer. C'est comme au permis à Nune. Mmh. T'as eu le permis du premier coup, toi, Eden, d'ailleurs ? Bah non, je l'ai eu en deux fois parce qu'il y avait Moké qui a fait n'importe quoi. En deux fois, c'est bon ? Ouais, c'est bon. Oh, t'es rapide, Nune, quand même. Hein. Comment ? Ça s'appelle comment ? T'es rapide, je suis rapide, comme la braise. Comment, monsieur Lassalle ? Je vous ai pas entendu. Non, toujours pas. Toujours pas. Tu mets pas le stress ? Non, c'est bon. C'était ça, mais plus bas. C'est vrai, c'était ça, mais ouais. Non. Oh non, juste à côté. Allez, Théo. On va le faire. Pour le top. C'est pas comme ça que tu vas le faire. Hein. Ouais, déjà, comment tu pars là ? T'imagines, il le fait vraiment ? T'imagines, il le fait vraiment ? Tu mets un stress en plus, oh là là. Stress. Si tu veux, pour t'enlever le stress, Eden il peut chanter ou tu vois, oui, ça va t'enlever le stress. Allez, il chante trop bien. Chante une musique, Eden. C'est vrai que. Chante une petite musique, ok. Comme dans la chaise musicale de la salle. J'avoue. On a pas demandé une chanson déprimante. Ah, bah non, mais les gars, faut me dire le thème. Moi, je pars sur une parce chanson. Que là, je pense qu'il va casser la console. Il va s'endormir avant qu'il y ait un raccourci. Bah, dites-moi ce que vous préférez. Dynamique. Dynamique. Ouais, Indamix. Dynamique. Okay. Genre, est-ce qu'un un truc un peu techno ou pas? Ouais, un peu boot killer. Un truc qui nous fait vibrer. Ok, alors attends, bouge pas, je me mets en place. Là, j'ai l'impression de faire un concert devant tout le monde. Ok, c'est parti. On entend rien, Eden. Ça sature. Ouais. Ah, mais c'est parce que c'est de la techno, c'est normal que ça sature. Ah. Ok, bon, bah vas-y. Ah. Tu manques des mains en l'air. Ah ouais. Ah ouais, carrément. Je vais essayer de mettre le micro au fond de la gorge, voir ce que ça fait, les gars. Waouh. Mon Pedro. Ouais, les gars, c'est. Waouh. Le chou SM7B dans la gorge, hein, les gars, c'est waouh. Allez, Anune, tu peux le faire, Anune. Là, t'es bon, Anune, t'es bon. Voilà, voilà. Voilà, là, ça, c'était bien. Allez, encore 12 essais. Non, mais t'as vu tellement c'est fin, gros, le truc qui s'est bloqué, quoi. Ouais, mais le fin du fin, c'est quand t'as faim. Ah, ça, j'aime bien, ça va faire un petit son, vas-y, c'est parti. Ah, ah, ah.
1, c'est quand t'as faim. 1, c'est quand t'as faim. C'est quand, c'est quand, c'est quand, c'est quand, c'est quand t'as faim. 1, c'est quand t'as faim. 1, c'est quand t'as faim. Mais wow. Moi, je me pose une question quand même depuis tout à l'heure. Où est Pedro? Ben, je suis pas très loin derrière, je suis vers la maison. Ah oui, d'accord, ok, ouais, je vois. Au 60e point. Ok. Wow. En plus, toi, Pedro, tu sais bien planer en moto. Ouais, vachement, ouais. Non, derrière, je suis vers la maison banque, là. Ah, ok, ouais, je vois. Ah, on peut faire un DJ, les gars. Allez, vas-y, va t'encourager, Théo, regarde. Théo, vas-y, encourage-le. Ouais, ok, ouais, je vois. Ah, ok, ouais, je vois. Ah, ok, ouais, je vois. Ah, ok, ouais, je vois. Waouh. Mais N1, t'es perdu total. Là, là t'es dans l'espace, là. Hein. Ah ouais. Écoutez, j'essaie de viser un trou qui fait la taille de mon bras, donc... J'aperçois N1. Je suis passé, wow. Hein, t'as pas vu, là, ça, je suis passé. T'es passé, non, t'es pas passé. Tu vas trop. Waouh, comment... J'avoue. Oh, N1, il faut vraiment que tu... En fait, il faut que tu comprennes que tu souris... Non. C'est bon, si. Oh mais my... non, envoie un screen. Ok, attends. Premier, il écrit 41 minutes et 21 secondes. Oh. Allez, screen-nous tout ça. Anune s'est fait battre. Là, c'est fini, regarde où il est, c'est fini. Hein. Ah ouais. Je suis passé, les gars, je suis passé dans le trou, c'est mon personnage qui s'est bloqué. Anune, fais-moi un partage de jeu sur la PlayStation, je passe à ta place pour tester. Bon bah, la vidéo ça va être Anune affronte Pedro. Allez, c'est parti. Je sais qu'au fond de lui, Anune, là, il transpire, il bouillonne, il est dégoûté à mort. Non mais le pire, c'est que je suis passé ça le pire en plus. Voilà, c'est le genre de phrase qui montre que t'as la haine, tu vois. Anune, est-ce que tu veux faire un partage, Anune? Je suis sûr que je peux essayer. Ah, de whooping. Anune, franchement, tu veux ne plus avoir la haine et vraiment prendre ça à la rigolade, répète dans ta tête, va faire un et tu vas déstresser tout seul. Et tu dis, il sera le problème ou le Escobar. Ah oui, le trou, oui, effectivement, il est là-bas. Okay. Bon alors, on attend le screen, là. Théo, attends, t'es où? Est-ce que j'ai le droit de whooping? Hein? Est-ce que j'ai le droit de whooping sur le Discord? Ben oui. Okay. Je peux le mettre dans général si tu veux pour humilier tout le monde. Et tu marques bien. Il peut pas, il pourra pas, il a. Je peux pas. Ah merde. Je peux pas. Oh, Anune est passé. Oh. Ouais, malheureusement, Anune, c'est bien, mais. C'est bien, mais t'as perdu. Ah là, il est deg. Là, il est deg. Hein. Je le sens, il est deg.